de fer qui se battait sur une colline. D'ailleurs, depuis quelques nuits, puisque le voisinage les entendait. Et lors de cette bagarre, il y en a un qui a perdu l'équilibre, qui a ripé, qui a fait une chute d'environ 3-4 mètres, qui est tombé sur le toit en évrite d'un garage d'un particulier, qui a percé la toiture et qui s'est retrouvé dans le garage. Et tout, ils ont très très bien réagi. Alors d'abord, ils ont tout de suite compris ce qui se passait. Ils sont pas trop allés voir, ils sont pas trop approchés, mais ils ont compris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a refermé la porte du garage, puisqu'il était calme, il ne bougeait pas. Et on a attendu les collègues de l'Office français de la biodiversité pour venir endormir l'animal. Le cerf, il a dû se réveiller dans l'après-midi et partir décarpir en se demandant ce que c'était ce bad trip. Ouais.